Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mercredi 14 septembre. C'est Jérémy Delsol pour votre matinale Admirals. Il est 8h30 et j'espère que tout le monde va très bien. Alors on va se pencher comme d'habitude dans un premier temps sur le calendrier économique, voir ce qui nous attend en termes de publication. On ira voir les graphiques bien sûr, énorme chute sur les marchés hier due aux publications des taux d'inflation côté US. Alors juste pour le calendrier déjà. En ce qui nous concerne pour aujourd'hui, hein. Ce matin à 8h, on a déjà eu des publications britanniques avec justement le taux d'inflation 9,9 avec un consensus à 10,2 et du coup un précédent à 10,1, donc ici un petit peu plus bas. On va retrouver aussi ce matin du côté français, notamment du coup les statistiques en termes de pétrole. On va retrouver aussi à 11h ici les chiffres de la production industrielle annuelle et mensuelle côté européen. Émission obligataire du côté de l'Allemagne à 11h30. Et sinon, ce sera directement cet après-midi avec l'indice PPI côté américain. Aussi une nouvelle économique attendue, bien sûr. On continuera avec ici, ouais, c'est côté espagnol, confiance des consommateurs, confiance des entreprises côté brésilien. Bon, ça nous intéresse moins en général. Les stocks de pétrole, bien sûr, attendus à 16h30 en pleine séance US cet après-midi, attention. Et ça clôturera un petit peu le calendrier pour aujourd'hui. Donc voilà, hein, ce qui nous concerne, vraiment 14h30 cet après-midi, 16h30 pour ceux qui aiment trader le pétrole aussi. Ça peut toujours faire et exciter un petit peu, hein, les marchés aussi, mais... C'est les principales vraiment publications attendues, hein, en termes d'événements économiques pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a un prochain événement, c'est le cas de le dire, le webinaire de la semaine prochaine, mardi soir 20 septembre. Hein, je regarde la montre, le calendrier je devrais dire, mais c'est bel et bien la semaine prochaine déjà, puisque c'est dans 6 jours, 11h et 27 minutes. Vous avez le temps de vous inscrire, encore une simple adresse mail suffit. Investir en période de forte inflation, comment ça se passe, quelles sont les solutions, etc. On en parlera bien sûr directement dans ce webinaire. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre de 20h à 21h. Je vous partage aussi la partie actu, bien sûr, ici du site Admiral, où vous avez à chaque fois un nouvel article qui est publié. Voilà, on va se pencher sur les graphiques. Je vais venir vous saluer sur le chat, bien évidemment. Et vous rappelez aussi le contexte dans lequel on est, hein. Hier, donc, on a vu une des pires séances en fait, hein, pour Wall Street depuis juin 2020. Maintenant, désormais, on a de fortes probabilités d'avoir carrément une hausse de 100 points de base du côté de la Fed. Donc ça veut dire carrément 1% du coup de hausse des taux possible. C'est la conséquence d'une inflation plus forte qu'anticipée aux États-Unis pour le mois d'août. Et ça a tout simplement, ça va mener en tout cas tout simplement très certainement à un durcissement de la politique monétaire. Et du coup, ça a bien causé des troubles sur les marchés avec la baisse impressionnante qu'il y a eu. Didier qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous. Près une heure à l'avance, bien. Bienvenue à toi Didier, ça fait plaisir, content de voir que tu es au taquet. Je crois que tu nous avais dit que tu te levais des fois à 5h du matin, donc ça fait plaisir que tu sois prêt tôt ici aussi. Et avec nous Maël qui nous dit bonjour, bonjour, toujours présente, voilà, 5e pouce, bienvenue à toi Maël, ça fait plaisir, merci pour le like. Marc qui nous dit aussi bonjour Jérémy, ainsi qu'à toutes et à tous, bon trade, merci à toi aussi Marc, du coup bienvenue et bonne séance. Philippe qui nous dit bonjour à tous, pouce aussi, 8e pouce pardon, bon trade, merci à toi aussi Philippe, merci pour les likes, ça fait vraiment plaisir. On a aussi Rudy qui nous dit bonjour Jérémy, et bien bonjour à tous, 9e pouce, merci beaucoup Rudy, ça fait super plaisir, bienvenue à toi. Christina qui nous dit hola todos, bon dia, konnichiwa, alors attends, dit d'ambré, si je prononce bien, hein. Bon Dialno, salam, shalom, sawadi. Tu les fais tous ici, un hello du coup à tous. J'espère que vous allez bien. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Un passage rapide pour vous souhaiter une belle et bonne journée de trading. Merci beaucoup, ça fait plaisir Christian, bienvenue à toi. Et n'oubliez pas, camarade, l'effort au quotidien est ingrat et il ne rétribue que sur le long terme. Yes, le dur labeur toujours sa récompense, j'ai envie de dire. Merci beaucoup pour ton message, ça fait plaisir. J'espère que tout va bien aussi de ton côté, Christina. Boursicoteur qui dit bonjour à tous. Christian également, Jean-Luc, Nicolas. Bonjour de la Turquie, bienvenue à toi du coup Nicolas. Shérif aussi qui nous disait bonjour. Cyril également qui disait bonjour, bonjour. Les marchés sont fous, les marchés sont volatiles, clairement. Hein. Clairement, Harris qui nous disait salut, bonne journée à toi, bienvenue Harris. J'ai l'impression que les indices remontent. On va peut-être assister à de la correction après autant de baisses, ça a du sens aussi. Sauf si les marchés décident vraiment de s'emballer, de continuer de paniquer. Ahmed qui nous disait bonjour à tous et bonne séance, bienvenue à toi aussi Ahmed. Moussa qui nous disait bonjour. Vous pouvez remettre le lien du webinaire. Yes, il est juste au-dessus, regarde, il est juste au-dessus. Je le remettrai dans la séance, mais sinon, attends, hop, je vais aller chercher rapidement. Il est juste au-dessus dans le chat, ici, hop, tac, relancé ici. Dans le chat, Béatrice qui nous dit aussi bonjour à tous, bienvenue à toi, Nabil également, et Antonio aussi qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi, Antonio. Chris, du coup, qui nous disait bonjour à tous, gros orage sur Sifour, la plage. Aïe, 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 oui, il y a eu pas mal de tempêtes cette nuit, je crois, un peu partout d'ailleurs.
Elias qui me dit bonjour chef, bienvenue à toi Elias, j'espère que tu vas bien, et Moussa également. Allez, on va démarrer directement sur les graphes du coup. Donc le JP225, il y a eu une belle correction du coup, hein, comme la plupart des indices, vous allez le voir, ça nous a permis de repartir sous les 28 200 avec ce fameux point pivot mensuel ici présent. Donc le graphique horaire, lui, va nous montrer la chute, hein. En fait, on était sur ce genre un peu de configuration comme ceci, on avait du mal, de plus en plus de mal à monter, et la news a achevé un petit peu l'optimisme, on va dire, des investisseurs avec une chute impressionnante qui nous a entraîné directement sur un test support 27 800, niveau intermédiaire au-dessus pour moi les 27 925, et on a les 28 050 en résistance juste ici. Donc pour l'instant on négocie dans cette zone-là. La séance asiatique ici a suscité le rebond. Et ensuite, on est revenu un petit peu travailler la zone support. Donc pour l'instant, à voir, hein, ce n'est pas une séance très directionnelle. Après des mouvements directionnels comme ça, on a la correction, on revient tester le support pour voir s'il est vraiment défendu, maintenu, j'ai envie de dire. Et du coup, tout sera aussi fonction pour l'instant des 28 000, des 27 000, pardon, 800. Ici, on n'a pas de concordance point pivot. Ils sont assez élargis, ces points pivot, forcément, avec l'amplitude des mouvements d'hier. Allez, du côté du DAX 40, ça nous a permis quelque part aussi à cette baisse de, en fin de compte, revenir sur un respect de la borne haute de la zone de range très importante et assez grande qu'on a sur le graphique journalier, prévue et établie pour moi entre les 12 450 par le bas pour les 13 350 par le haut, avec le prix médian, je vous rappelle, les 12 950 dont on avait déjà pas mal parlé quand on se trouvait sur ces tests. Donc là, ça nous maintient vis-à-vis de cette résistance. On est en fait toujours dans le trading de range établi ici, et on a une nouvelle zone même en graphique horaire que j'ai établi ici, très simple, les 13 000 zones support, niveau intermédiaire support actuellement 13 050, résistance qui tente d'être cassée d'ailleurs, les 13 115, qui pourrait du coup nous amener sur des mouvements de correction de cette grande baisse ici, hein. On a des mouvements de correction possibles, et à ce moment-là, certains aiment utiliser par exemple Fibonacci pour aller voir jusqu'où on peut retracer, si on casse des niveaux pour aller plus loin, ou si au contraire on n'attend pas par exemple une concordance 38,2 point pivot du jour pour trouver la réaction et redescendre, etc. Ça dépend de la stratégie de chacun. Pour ma part, on va faire les choses simples comme d'habitude, puisque je suis partisan de ce qui est simple et qui fonctionne, et que, pardon, c'est ce qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, je crois que j'ai été hop, enlevé, je vais vous remettre le niveau intermédiaire. Sans faire exprès, du coup, hop, ici en noir, sur les 13 050, on avait dit. Hop, ici, voilà, le niveau intermédiaire. Hop, donc, on va faire fonction de cette résistance pour les CRE de ce matin. Si on arrive à percer et à continuer direction possible, les creux ici, point pivot avec le sommet d'ailleurs d'avant, et on aura des scénarios favorables à la hausse. Si c'est une fausse cassure et qu'on réintègre, attention à un petit trading de range 13 115, 13 050, et bien sûr si on arrive à casser, on a ensuite les zones 13 000, les zones 12 950 à venir. Donc voilà, hein, en termes de scénario, c'est très très simple. Je vous simplifie ici vraiment les choses, puisque de toute façon c'est comme ça qu'on y trouve les plus je trouve quelque part même les meilleures opportunités, en simplifiant le process aussi un maximum. Donc vraiment, fonction, vous l'avez compris, des 13 115, hein, ce matin. On va voir si ça tient, ou si au contraire sur l'open, on n'est pas sujet à réintégrer. C'est pour ça que je vous ai laissé encore la zone en résistance. On passe du côté ici maintenant du CAC 40, un CAC 40 qui pour lui, pour le coup en plus, est toujours au-dessus des 6 100 points. C'est juste que du coup on a eu un peu de correction vis-à-vis même d'une petite structure ici qui était du coup en support, qui fait désormais résistance, et ça nous entraîne petit à petit peut-être vers un test des 6 100 points. C'est pas encore fait, puisqu'on aurait peut-être de la récupération déjà à venir sur la séance d'hier. Et justement, on se trouve sur une zone support, les 6 187 50, qui nous permet déjà de rebondir un petit peu. Niveau intermédiaire juste au-dessus pour moi 6 250, et résistance 6 300. Pour le coup, on a la concordance point pivot avec ce niveau intermédiaire 6 250. Donc en termes de scénario, à quoi s'attendre pour moi pour aujourd'hui sur le CAC 40? De la réaction déjà possible pour revenir chercher une résistance, et à ce moment-là rejeter, refaire possiblement le test de la zone support. Si le marché est un peu agressif, on peut ranger un petit peu et breaker rapidement direction zone support S1, et alors les 6 100 points. Et si une fois arrivé sur cette zone courant de la journée, on n'arrive pas à rejeter, eh bien on pourrait changer la résistance en support et partir sur la résistance suivante, 6 300. Voilà ce qui nous attend, mais pour l'instant déterminant fonction de ces 6 187 pour ma part sur le CAC 40. On va continuer bien sûr avec ici. Du coup déjà la bourse britannique, le FTSE 100, qui a trouvé de la correction aussi aux abords de son sommet ici précédent, et du coup sans pouvoir toujours atteindre les fameux 7 600 points, correction qui nous entraîne non loin d'une belle zone support, 7 300 points en l'occurrence. Le graphique horaire, lui, va nous montrer du coup les travaux qui sont en train de se faire un peu aux abords de ces 7 300. On pourrait même dire clairement qu'on est déjà dans un range quelque part entre les 7 350 et les 7 325. Ça se voit encore plus quand on descend sur les unités de temps, comme on va le faire dans un instant. Mais vous voyez que la zone support intermédiaire 7 325
tient bien pour l'instant, vraiment avec un test, deux tests, trois tests, est bien en fait défendu par les acheteurs, tout simplement. En termes de points pivot, on est relativement large. Il nous faudra par exemple casser la résistance ici, 7350, pour avoir des probabilités d'aller chercher le point pivot du jour avec un peu de structure. Si on casse par exemple le niveau support intermédiaire 7325, c'est bel et bien les 7300 qui nous attend. Et seulement alors, si on casse et on réintègre les 7300, on aurait de quoi aller chercher la zone support S1 qui correspond avec de la structure également dans le passé. Donc voilà un petit peu les scénarios qui nous attendent aussi sur le FTSE. On restera bien sûr sur du 5 minutes aussi. Et quand on dézoome ici, on y retrouve plus déjà aussi hein, l'ADN et le détail d'un trading de range. Donc on fera bien sûr attention à cette résistance 7350 déterminante pour l'instant. Avant de partir sur le marché américain, je reviens rapidement ici sur le chat aussi. Charlie qui nous disait bonjour Jamy, bonjour tout le monde, bienvenue à toi Charlie, j'espère que tu vas bien. Boubacar également qui est avec nous, bienvenue Boubacar. Didier qui nous dit bravo Soufia. Attends, je remonte, j'ai dû du coup oublier des messages. Ah yes, Soufia qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Soufia, plus 7% hier, bravo Soufia, félicitations. Très très beau score justement, voilà Didier qui disait bravo Soufia, ça fait plaisir. Chris qui nous disait bonjour, bienvenue à toi Chris aussi. Laurent qui nous disait bonjour, je viens d'apprendre que je n'ai plus le droit au LTR alors que j'ai payé mon abonnement comme d'habitude. Alors vois ça par mail avec Emmanuel, il doit y avoir un petit malentendu. Du coup regarde ça avec Emmanuel parce que il faut que ça se réactualise bien sûr de manière automatique. Et vois ça avec elle, t'inquiète pas par mail. On va régler ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a bel et bien une raison, elle n'aurait pas fait sinon, t'inquiète. Bob qui nous disait, Laurent, en contact direct via Discord, plus pratique. Oui, c'est clair, Discord, c'est encore plus rapide. Hubert qui nous dit, bonjour Jamy, bonjour à tous, bonne journée et bon trade avec un like. Merci beaucoup Hubert, ça fait plaisir. Soufia qui nous dit, merci les amis. Je t'en prie Soufia, bravo pour ton score d'hier du coup. Le S&P 500 qui réagit déjà face à la résistance 4100 points autour de son point pivot mensuel également incapable de sortir. J'avais laissé cette zone là parce qu'elle était importante et en plus le timing a voulu que ça tombe avec les taux d'inflation qui ont été qui ont fait réagir vraiment les marchés et du coup bien ça suscite en plus du point pivot bien de la réaction et un respect de cette résistance. Direction à ce moment là zone support pour l'instant autour ici de l'ancienne borne haute de la zone de range. On va avoir le graphique horaire ici qui nous montre cette baisse fulgurante et du coup le début d'une consolidation qui pourrait prendre place autour des 3925 et des 3950 avec un petit niveau intermédiaire 3937 du coup en travaux. Je vais rester sur du 15 minutes pour ceux d'entre vous qui appréciez aussi les marchés américains le matin. Attention à la consolidation dans la zone comme vous le voyez, donc déterminant sur des breakouts convaincants par le haut pour la récupération, par le bas pour la poursuite de la baisse. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, vous commencez à le savoir bien sûr, du trading en range. Vous voyez, pas de concordance pour un pivot puisque c'est assez large en étant donné l'amplitude des mouvements d'hier. C'est la même histoire sur le Nasdaq 100, on réagit sur le point pivot, on réagit aux abords de la résistance clé majeure journalier des 12900 et on revient par contre déjà ici directement sur la borne haute de l'ancienne zone de range, donc qui fait support mais on est déjà clôturé un petit peu en dessous. On va voir ça dans le détail hein. Sur le graphique horaire, on est dans la zone juste en dessous donc de cette borne basse, borne haute de l'ancienne zone de range important et qui a commencé à être réintégrée. Mais vous voyez que ça consolide aussi énormément. Je peux aller sur le 15 minutes ici, vous montrer ça. Ça consolide énormément entre les 12025 et 12075. Donc trading de range jusqu'à preuve du contraire dans cette petite zone pour des breakouts convaincants ressortir par le haut. De la poursuite agressive aussi et continuer sur les 11925. Du côté du Dow Jones 30, c'est une réintégration de zone de range antérieure qui est plus importante mais un rejet ici déjà du point pivot. Et là, pour l'instant, donc la réintégration est clairement plus flagrante. Hein. On a nettement plus de points ici qui ont permis la réintégration. Pour autant, on a le même concept, bien sûr, à la fin de ce mouvement ultra directionnel et important. On a de la consolidation et on a les 31100 points sur une zone support intermédiaire avant les 31000 points et la résistance la plus proche au-dessus, c'est les 31200. Donc trading de range jusqu'à preuve du contraire dans la zone et pareil pour des breakouts en attente ici, convaincant bien sûr, idéalement, hein, pour soit de la récupération, soit une poursuite agressive sur les 31000 et ensuite, hein, bien sûr, vous avez des points pivots puisque c'est très très large. Vous voyez même la zone support S1 corrobore la borne basse de la zone de range en journalier et la zone support S1 même mensuelle. Voilà pour les indices boursiers. Avant de partir sur le gold, je vais voir s'il y a d'autres questions. Didier qui se pouce bleu, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup Didier, ça fait plaisir. François qui nous dit aussi bonjour Jérémy, bonjour à tout le monde. Bon trade, bienvenue à toi Françoise. César qui nous dit bonjour, merci d'être là. Ça aide du coup dans les moments difficiles. Merci beaucoup César pour ton message. Et bien sûr, on est là tous les jours à 8h30 à 10h pour aider, bien sûr, sur plusieurs aspects, que ce soit la psychologie, que ce soit la technique, etc. Le gold ici, du coup, qui est toujours coincé entre les 1730 et les 1695 pour l'instant. Donc, deux gros niveaux en journalier. Donc, toujours à l'intérieur. On a eu réaction récemment sur la borne haute résistance des 1730 et puis c'est reparti à la...
rapidement à la baisse aussi, hein, sujet à cette réaction des taux d'inflation. Et du coup, on est un peu coincé avec un niveau intermédiaire 1705, une zone support 1700 avant les 1695 pour le coup ici. Donc attention à ce qui se passe dans la zone pour un break testant directement les 1695 ou un break cassant ici et testant la résistance borne de base de l'ancienne zone de range. Mais si on descend sur du 15 minutes, je pense aussi que... Alors, ouais, on a... C'est pas parfait, mais on a quand même ici cet ADN un petit peu de trading en range, hein, avec des tests ici, des tests là, réintégration ici, bientôt un test ici, mais un test là aussi, et quasiment un test ici. Donc ouais, attention à ce trading de range aussi ici, entre les 1705 et les 1700 pour l'instant. Là, on a vraiment la touche HS du mini terminal qui nous aide aussi à l'identifier. On va rester d'ailleurs sur du 5 minutes sur le gold. Du côté du Brent avec le pétrole, on est en train toujours et encore de travailler la borne basse cassée récemment des 94, hein, sur ce trading de range en journalier. Alors je vous avais mis une oblique ici, on a eu le respect, vous rappelez, hier à la fois de l'oblique et de la zone support réintégrée des 94 qui repasse résistance puisqu'on a cassé l'oblique et on retravaille côté extérieur, donc une zone support qui passe résistance pour l'instant et qui du coup marque un petit peu de rejet. Alors c'est pas encore du coup bien sûr élancé. Tant mieux pour les vendeurs qui veulent peut-être se préparer, mais attention aussi, bien sûr, on pourrait aussi consolider un petit peu comme ceci et avoir un nouveau break de réintégration ou de confirmation ici. Donc attention, vraiment déterminant et fonction des 94, ce qui peut se passer en maintien bien sûr ou en réintégration sur le Brent. On a le point pivot du jour qui correspond à cette zone là, donc qui forme cette zone avec le dernier sommet également. On va partir sur le Forex, un Forex qui repart sous les 1,005 et même sous la parité, puisqu'on cote à l'heure actuelle sur les 99,66. Donc on réintègre en fin de compte cette zone un petit peu de consolidation précédente. On va descendre sur le graphique ici, horaire, pour voir tout ça. On a cassé cette zone là, on a cassé ce trading de range là aussi. Hop, on va pouvoir d'ailleurs nettoyer un petit peu le tout, ça sert à rien d'avoir trop d'informations, hein. Trop d'informations tue l'information, c'est un peu comme trop d'indicateurs tue l'indication, j'ai envie de dire. Et là, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on a réintégré le trading de range entre les 1,0050 et les 99,12 dont on avait aussi pas mal parlé. Et je vous ai mis une zone donc à l'intérieur, donc la borne haute, hein, bien sûr, ici qui correspond avec les 1,005. On a aussi les 1,0015 par ici. Et là, la zone support est en train d'être travaillée et testée, peut-être pour un break justement, les 99,75. Si on arrive à breaker, on aurait possiblement un test de borne basse ici, non loin de la zone support S1. Si jamais ça se maintient, qu'on fait un double creux et qu'on casse par le haut, vous connaissez la figure chartiste, hein, pardon, des doubles creux. On pourrait revenir d'abord sur le niveau intermédiaire 1,0015 pour ensuite les 1,0050. Donc voilà, ici du côté de l'euro-dollar, pardon, on restera bien sûr sur du 5 minutes aussi pour voir ce qui est possible de faire. Pour l'instant, vous voyez, on teste le creux précédent en tentative de franchissement des 99,75, plutôt avancé sur un petit graphique comme le M5. On va partir sur le GBPUSD, relance de la baisse aussi. De toute façon, la tendance baissière journalière était pour moi toujours d'actualité, comme je vous le disais déjà hier et les autres jours depuis, hein, qu'on est lancé sur de la baisse. On est sorti de cette zone de range ici rapidement, clairement sous le coup de la news aussi. Et on travaille maintenant cette zone ici, prévue entre les 1,1537 avec un niveau intermédiaire 1,1515 et une borne basse, zone support 1,1487. Donc là, on est en train de travailler la zone support. On va voir si on arrive à avoir un breakout baissier pour relancer et continuer, je dois dire, ce mouvement de baisse. On a de la distance, hein, pour la zone support ici avec le creux par exemple par là. Bon, des niveaux intermédiaires qui seraient intéressants de regarder autour des 1,1450 aussi quand même. Mais c'est le test de la zone support qui est déterminante pour moi ce matin sur GBPUSD. Si on a du maintien trading de possible de range en devenir, parce que là on a pour l'instant qu'un test, mais si on en a un deuxième, on finira par ranger et on pourrait déjà revenir donc en cas de rebond sur le test du sommet précédent, voir la résistance des 1,1537. Donc déterminant les 1,1487 comme vous l'avez compris sur le GBPUSD pour ma part ce matin. Ouais, et attention ici, hein, puisque ça a quand même, ouais, vous voyez un petit peu, hein, sur le petit graphique, ça a quand même une tendance à déjà ranger, donc du trading de range en réintégration ou du trading de breakout en poursuite du mouvement. On ira voir ça ce matin sur le GBPEZ s'il y a quelque chose d'intéressant à faire quand même. Allez, USDJPY, je regarde la montre, il nous reste 10 minutes, parfait. Donc tendance haussière, mais on a du mal avec le sommet journalier précédent et l'AR2 mensuel notamment.
Tellement que du coup la résistance ici des 144,75 tient et nous ramène sous le seuil intermédiaire des 144,12 sur le niveau support des 143,50 qui va être testé ici. Donc soit du rebond, soit de la cassure bien sûr. Si on dézoome un petit peu, on est quand même dans un beau trading de range comme ça que je peux vous placer ici puisqu'on a deux tests en haut, on a des tests en bas aussi. Juste regarder si c'est pas visible sur tous les graphes, voilà, parfait. Donc ouais, gros trading de range, réaction burn out pour l'instant, pour revenir petit à petit sur une zone support 143,50. En cas de cassure, on partirait dans... Alors, il y a cette zone un peu médiane entre les 143,50 et les 143,25 à faire attention. D'ailleurs, je peux vous mettre ça comme ça, du coup, puisque ça représente un peu la zone médiane de la zone de range, donc on pourrait rebondir ou réagir comme ça. Comme cela, pardon, fonction de cette zone. On est sur le test du point pivot du jour en même temps que déjà les 143,50. Donc attention à un rebond ou à un travail de cette zone pour casser et changer la zone support en résistance. Du côté de l'USD/CAD, grosse réaction, on est reparti à la hausse, testé déjà les sommets précédents. Vous vous rappelez, il y en avait parlé d'un break. Le break a donné suite en cassant aussi bien sûr le creux précédent, donc il y avait de quoi faire. Et ensuite, sous le coup de la publication, l'USD hein, bien sûr, qui a fortement réagi aussi ici et qui est remonté très très rapidement. Et maintenant, on est dans cette zone-là, un petit peu au-dessus des 1,31,50 en tentative de cassure du niveau intermédiaire des 1,31,75. Et au-delà de ça, on a même les 1,32. Donc je vais pouvoir enlever l'oblique, je vais pouvoir enlever la zone de range ici, puisqu'on est désormais établi par le haut et pareil les points pivots qui sont très très larges étant donné l'amplitude du mouvement. Euro JPY qui a besoin de respirer, qui a du mal à continuer sa hausse puisque c'était déjà quand même une belle hausse hein, bien sûr. En fin de compte, on a réintégré ici le trading de range avec la borne des 144, un borne haut des 144,25 ici. On est repassé aussi sous l'oblique et on est déjà sur un test borne basse avec ici un peu de sécurité, la zone support des 143 où on a la zone support S2 du jour. Donc attention à une réintégration comme ceci possible ou à une poursuite par le bas sur l'euro JPY. Je vais pouvoir enlever voilà l'oblique. Hop, ici déjà, et c'est vraiment le test hein, des 143 qui sera déterminant sur l'euro JPY ce matin à étudier aussi. On va voir si on a des choses ce matin là-dessus. L'euro GBP, il est en travaux autour d'une résistance, les 86,75 pour l'instant. Donc cet euro GBP est aussi dans un trading de range d'un point de vue horaire à l'heure actuelle. Ça tourne justement autour des 86,75. On n'est pas sorti de la zone ni par le haut ni par le bas depuis un moment. Les 86,50 zone support, les 87 zone résistance. Donc du trading en range jusqu'à preuve du contraire. Attention à des tests borne basse pour des réactions comme ça, des tests borne haute pour des réactions comme ça. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire des belles cassures assez convaincantes. On restera sur du H4 hein, pour aller plus vite sur le Bitcoin. Ici, on est sorti de la zone de range par le bas en réaction également au taux d'inflation, ce qui nous a permis de réintégrer le point pivot mensuel et les 21 500, revenir sur une zone support intéressante, les 20 250. Mais attention, cette borne ici haute et cette borne basse constituent toujours la borne haute et la borne basse du trading de range en journalier. Donc pour l'instant, on est toujours dans la zone en réintégration depuis hier avec cette publication. Pareil pour ici, alors pas vraiment pareil, mais réintégration en tout cas du niveau clé des 1700 ici sur l'Ethereum avec ce trading de range du coup qui a cassé, qui est parti par le bas. Donc attention, les 1700 qui étaient un obstacle clé redeviennent résistance et obstacle clé toujours. On est juste en train de travailler les 1600, voir si on tient un peu dans cette zone ou si on arrive à s'en affranchir pour chercher les creux précédents et aller chercher à ce moment-là du coup par exemple des zones support S1 non loin des creux, premier creux en tout cas, des deuxièmes creux, zone support S2. Voilà un petit peu le point sur les cryptos ici aussi. On va mettre tous les graphes en place, on va se tenir prêt à l'open. Et du coup, tac, le GBPUSD, on va voir s'il est capable de continuer la baisse. Attention, trading de range hein, sur les US et sur le DAX. Pour l'instant, ce serait une tentative de maintien et de sortie par l'eau. Mais je vais attendre l'open pour voir ce qui se passe. Le système LTR, je vais vous glisser ici. Pour l'instant, il se cherche en équivalence M5. Il est déjà dans une très jolie tendance haussière sur l'équivalence M1. Hop, je vais revenir sur le chat du coup. Françoise, voilà, attends, ça je l'avais lu à César, ouais, on l'avait lu aussi. Sofiane qui disait bonjour à tous, bienvenue à toi Sofiane, j'espère que tu vas bien. Didier qui disait je viens de calculer, j'ai fait 160 points sur le DAX hier, c'était mal parti et ça a bien fini. Bravo, bravo Didier, ça fait plaisir. Suis bien ton plan surtout. Hein. Philippe qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tous, bienvenue à toi Philippe aussi, j'espère que tu vas bien. Déjà 50 likes à 5 minutes de l'open, ça fait ultra plaisir. 137 participants, j'espère que tout le monde va bien ce matin et qu'on va avoir une belle séance bien sûr ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas.
Du coup, Didier qui nous disait, oui, pardon, je l'ai lu. Philippe qui nous dit bonjour, Jérémy, bonjour à tous, bienvenue à toi, Philippe. Et Cédric aussi qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi, Cédric. Allez, il va nous rester 4 minutes avant l'open, on va voir comment les marchés vont réagir. On est au-dessus des 13 115 pour l'instant sur le DAX. On a un CAC 40 qui a réagi depuis les 6187. On a un obstacle du côté du FTSE 100, attention avec les 7375. GBP/USD, ça va être fonction vraiment de ces 1,1487. Soit pour de la réintégration, soit pour du rejet. Allez, l'open qui arrive dans 3 minutes maintenant. On va voir si ça peut se maintenir avec les 115 ou si on n'a pas de la réintégration aussi sur le DAX. Je serais plutôt orienté vers de la hausse, hein, personnellement pour l'instant. Il faut que ça se confirme avec l'open aussi. François, est-ce que tu peux expliquer le LTR? Merci. Alors le système LTR, c'est si tu veux, un système que j'ai développé à l'aide du coup d'un codeur professionnel. Parce que bah, je code pas, hein, bien sûr. Mais il fallait pouvoir développer justement une représentation graphique fonction du mouvement. Alors ça existe déjà, j'ai pas inventé, hein, bien sûr, les graphiques Renko. Ça existe depuis même très 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 longtemps côté asiatique. Mais du coup, j'ai cherché sur internet, j'en trouvais plusieurs des gratuits, des payants. J'ai un peu tout essayé et il y avait toujours des soucis de construction. Donc on en est venu au fait, pourquoi pas construire nos propres bougies pour que ce soit bien backtestable, parce que je suis quelqu'un qui aime le backtest pour vérifier des théories, vérifier des opportunités, des signaux de trading qui sont récurrents, connaître leur espérance de gain, connaître leur taux de réussite, leur ratio, etc. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait cet été sur beaucoup, 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 beaucoup de trades historiques pour avoir des espérances de gain, pour avoir des chiffres et du coup confirmer des théories, confirmer des hypothèses, bref, tout ça, tout ça. Et du coup, si tu veux, on a développé un système fonction du mouvement. Donc, je vais te le montrer là. Ici, chaque bougie fonction du mouvement et non du temps. Sur les graphiques standards, c'est 1 minute. Donc, tu as les cotations pendant 1 minute. Ça te crée un point bas, un point haut, une open de la bougie, hein, donc une ouverture de bougie, une clôture de bougie. Ici, c'est uniquement le mouvement qui fait ça. Et c'est un mouvement directionnel en plus. C'est-à-dire que du moment que tu as des points qui évoluent à la hausse, une certaine amplitude, donc là par exemple c'est une taille de 6,7, tu vas avoir des bougies et quand tu as une bougie de hausse par exemple, tu as plus de persistance que sur un graphique temps parce que c'est du directionnel. Donc en fait, c'est des bougies fonction du mouvement dans lesquelles tu as déjà la tendance quelque part, qui est une tendance en tout cas imminente qui est présente. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors attention, l'open qui est en train de se faire, je vais juste surveiller un petit peu ça. Je te réexplique si tu veux d'autres choses par la suite. Mais si tu veux plus d'informations sur le LTR, tu peux faire une demande d'information des outils LTR par mail à l'adresse mail france@admiralmarkets.com dans le descriptif de la vidéo. Deuxième ligne, tu retrouves ça. Et du coup, tu as une formation gratuite qui explique justement un peu le système, les bougies, comment interpréter le système, etc. Sur le site en question. Dis-moi si c'est plus clair déjà pour toi, Françoise. L'open qui est en train de se faire, on reviendrait peut-être sur les 13 115, on teste la résistance sur le FTSE 100 et on hésite entre le sommet et le creux pour le CAC 40. Peut-être intégration sur le GBP/USD. Euro dollar qui travaille avec les 99,75 aussi. Prix médian de zone de range, hein. Prix médian, pardon, de zone de range est 99,75 sur l'euro dollar, attention. En ce temps, c'est la réintégration qui est souhaitée.
Alors, placer juste un ordre en attente sur l'open est assez risqué, donc je l'ai pas fait. J'attends de voir comment ça se développe. Plus on est agressif, bien sûr, plus on peut profiter de certains mouvements, mais ça veut pas dire que ça augmente notre taux de réussite, au contraire, ça a tendance à le baisser sur le long terme. Anne qui nous dit bonjour, bienvenue à toi Anne. Cédric qui nous dit merci beaucoup pour le live avant, en tout cas, pardon, du coup qui est très très utile à mon apprentissage. Je vois que le fait d'apprendre des supports résistance et d'en faire ma stratégie n'est pas si idiot que ça. Top Cédric, top. Alors après, tu peux trader sans support et résistance aussi, hein, ça c'est des concepts du coup un peu différents. Moi, particulièrement sur mon trading, j'utilise pas forcément, justement, j'utilise pas en fait les niveaux que je vous montre ici. Hein. C'est une autre manière de trader, je suis directement en fonction du mouvement. Et du coup, ça aide aussi. J'essaye aussi de vous faire des exemples sur graphique de temps en temps ici aussi. Allez, on va continuer la hausse au-dessus des 13 115 pour l'instant. CAC 40 qui a envie d'en sortir aussi hein, de son sommet précédent. C'est le GBPUSD qui réintègre bien, mais il a été rapide hein, sur la réintégration dès l'open, il réintègre sa zone. Allez, ça part à la hausse ici, on va voir si on a des choses intéressantes. Et ce matin sur le DAX, au-dessus du seuil des 13 115 points. François qui me dit du coup, ah oui, c'est le backtest, tu en as parlé. Yes. Alors, LTR, c'est pas que le backtest, hein. LTR, si tu veux, c'est un système de trading fonction du mouvement qui rend systématique l'identification des zones de range des périodes de tendance à la hausse, à la baisse. On identifie de manière systématique les différents types de range aussi dans la formation. Et puis, il y a des signaux précis et récurrents en fonction du price action qui sont codés dans l'assistant VIP, mais que je vous enseigne bien sûr pour les reconnaître et pour comprendre ce qui se passe aussi sous vos yeux. Et du coup, il y a un assistant VIP justement qui permet de faire du trading semi-automatique, ce qui est pour moi la meilleure façon de trader, puisque du coup, à l'heure actuelle, on peut se permettre bien sûr d'être assisté par la machine. La machine en tirer le maximum de son avantage et garder le meilleur entre guillemets du trader aussi. Antonio qui dit du coup hier séance américaine, mes gains du coup sont à faire rougir une tomate verte, miam miam. Bravo Antonio, félicitations. François qui dit ok merci. EPM qui nous dit aussi pourquoi certains CTA disent du coup qu'on est en période short gamma. Alors CTA, je vois pas ce que tu veux dire par là. Simplicity qui dit salut Jérémy, salut tout le monde, bienvenue à toi Simplicity, tu nous dis. Je suis un petit peu en retard, tu pourrais remontrer le Nasdaq du coup pour cet après-midi s'il te plaît. Pas de souci, alors le Nasdaq hein, c'est comme le Dow et le S&P en phase de range pour l'instant. Là on tente la cassure déjà des 12 075 sur le Nasdaq, un petit peu en avance sur le Dow et du coup en avance. Alors c'est vrai que le S&P on pourrait réajuster du coup si on veut être vraiment précis sur les 42 50, et là la tentative est en train de se faire aussi. Ça dépend si on veut être un peu plus safe ou pas en fonction aussi, plus on va dire conservateur en fonction des niveaux. Belle réintégration en tout cas du GBPUSD, mais ça s'est fait rapidement et de manière un peu agressive sur l'open. François qui dit merci pour tes explications, je t'en prie Françoise, n'hésite pas. Hein. L'open qui dit Community Trading Advisor, short gamma. Ça me parle pas, je t'avoue. Ça me parle pas le short gamma. Sophia qui nous dit comment ça fonctionne. Comment ça en fonction du mouvement, Sophia? Eh bien, c'est-à-dire que. Par exemple, si tu as, je vais te remontrer ça, je vais te remontrer ça ici, j'ai juste du coup l'assistant d'activer pour l'instant, mais je te donne un exemple sur le 15 minutes hein, qui est simple, enfin qui est beaucoup plus gros, 10.90. Ici par exemple, c'est la taille du corps, 10.90, tu vois, hop. Mais tu as une bougie haussière, tu vois là ici à l'heure actuelle, soit c'est 13 076, soit c'est 13 148. Tu ne peux aller que sur ce mouvement-là, voilà, ici qui va clôturer, ou que sur le mouvement de baisse. Donc c'est pas fonction du temps, mais c'est fonction du mouvement pour atteindre cette étiquette-là ou cette étiquette-là de prix. Et en fait, tu as toujours la même amplitude de mouvement sur des bougies qui se poursuivent, comme ça, 7,8 à peu près. Et du coup, tu as des bougies d'inversion qui marquent des retournements intéressants et des bougies de poursuite qui marquent une persistance du mouvement. Donc en fait, chaque clôture de bougie n'est pas fonction du temps, mais uniquement fonction du mouvement.
mouvement. Si tu atteins les 13184, tu sais que c'est une bougie haussière. Si tu atteins les 13157, tu sais que c'est une bougie baissière. Et ça, c'est un énorme avantage sur ces graphiques-là, c'est qu'on sait à l'avance sur la bougie actuelle où va être la clôture, qu'elle soit haussière ou qu'elle soit baissière. Ce qui n'est pas le cas sur les graphiques en temps, sur les graphiques antiques, on ne sait jamais où la clôture en fait de la bougie va se terminer. Dis-moi si c'est plus clair pour toi aussi, Sophia, ici. Cédric, il disait du coup, je pense qu'il suit le mouvement. Ouais, c'est en fait, c'est le graphique qui est uniquement basé sur du mouvement. Il n'y a pas de notion de temps, en fait. Simplicity, merci, Jérôme, je t'en prie. Voilà, du coup, Simplicity, yes, c'est bon, du coup, pour les US. Ça monte pour l'instant, pas de retracement pour ma part. Ça file en ligne droite sur l'open. Nikai qui faisait du coup, est-ce que tu connais un tuto bon et complet pour apprendre MQL? Est-ce qu'il y a une différence entre MQL 4 et MQL 5 au niveau de l'apprentissage? Le code est différent. Du coup, sur MQL 4, à l'heure actuelle, tu peux encore faire plus de choses que MQL 5, d'après ce que je sais. Mais du coup, non, un bon tuto complet, non. Je t'avoue que c'est Emmanuel qui est codeuse professionnelle, qui code et qui a appris ça depuis longtemps. Et après, en fait, quand tu es un codeur, peu importe les langages, hein, tu finis par les apprendre et tu connais leur manière de fonctionner. Mais MQL4, par exemple, le code MQL4 n'est pas très très complexe. Hein. C'est juste que du coup, selon ce que tu souhaites faire, bah, il faut faire des choses en particulier. Quoi. FMR qui nous disait « Salut, c'est quoi le minimum de dépôt pour faire son premier trade chez Admirals en tant que particulier ?» Bienvenue à toi, FMR. Alors, c'est tout simplement 100 euros, 100 dollars, 100 euros, ça dépend de la devise du coup que tu as. Mais c'est à partir de 100 euros. Julien qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi Julien, tu nous disais bonjour Jérémy, hier sur une autre plateforme le stop du coup ne s'est pas déclenché sur la chute alors que mon stop était du coup gagnant, j'ai perdu 25% de mon capital. Alors regarde ta position, je pense que tu as été slippé en fait. Je pense que tu as été slippé parce que les mouvements étaient ultra rapides et le slippage arrive quand justement le mouvement décale tellement vite que le broker et la contrepartie sur le marché n'est déjà plus là quand toi tu veux sortir à tel prix, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand vous tradez ce genre de mouvement-là et ce genre d'événement économique. Sophia qui nous disait, ah oui d'accord, c'est plus clair, mais il faudrait que j'essaye. Jamais réussi à installer sur mon Mac. Alors sur Mac, il faut passer par des émulateurs pour le MetaTrader. Et après, en fin de compte, c'est la même installation que si tu étais sur Windows. Et on a une vidéo pour ça, donc n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, tu peux nous contacter directement sur le site ou par mail, etc. Nicolas, parce qu'on en a hein, qui sont sur Mac qui ont réussi bien sûr à installer tout ça et ça fonctionne bien. Nicolas qui nous dit du coup, waouh, le GBPO. Alors on peut aller voir le GBPO si tu veux. Alors ça monte. Pour l'instant, pas d'opportunité pour moi. L'euro dollar qui repart aussi un peu au-dessus des 99,75. Le FTSE 100, il doit être en train de casser. Non, il respecte pour l'instant, lui, hein, sa résistance. Tu nous parlais du GBPO, donc on va regarder ça en deux secondes. On a l'autre cas d'ici qu'on avait étudié hier, d'ailleurs, en respectant et relançant sous l'oblique. Assez sympa, GBPO, du coup. GBP4, je l'avais. GBPO, je ne l'ai peut-être pas. Alors, je vais surveiller ce qui se passe quand même ici. GBPO d'ici du coup qui réagit mais qui est dans un gros trading de range. Attention, on est en train de tester la borne haute hein, autour des seuils des 1,7125. Donc attention pour l'instant. On va voir si on a un petit peu de respiration ici. Mickaël, tu dis que ça marche, merci. Julien, tu dis que j'ai porté réclamation pour remboursement, il me parle de slippage. Mais c'est abusé, t'en penses quoi? Bah, j'ai pas les informations de ta position exacte sous les yeux, mais avec des mouvements violents comme on a eu hier, moi par exemple sur bougie en mouvement et justement pas en temps, j'ai eu, alors je sais plus le nombre parce que j'ai pas compté, mais j'ai eu littéralement beaucoup beaucoup de bougies jaunes, c'est-à-dire les fast bars qui montrent que le mouvement se passe en moins de 3 secondes. Donc après, le slippage dans ces cas-là, oui, il est présent. Après, la taille du slippage, fonction de l'amplitude du mouvement, ça c'est.
et de ce que tu as risqué sur ta position, ça c'est autre chose encore. Mais ils vont voir ça, hein, du côté d'Admiral. Et s'il y a un souci, ils feront un geste, hein. Il faut que tu vois ça avec eux et puis tu verras ce que ça donne. Munson qui nous dit, le XEUSD, ce matin, tu penses que ça va tomber sous les 1696? Tu peux nous faire une petite analyse rapide. Alors, on a analysé ça tout à l'heure, hein. Regarde ici, pour moi, c'est un scénario, du coup, même pour la journée, du coup, qui est fonction vraiment des 1705 et des 1700 déjà. Les 1695 seraient en prolongation d'une cassure des 1700, parce que là, tu as vu qu'à chaque fois, hop ici, et juste là, tu as de la réaction, et pour l'instant, tu es limité de l'autre côté. Donc, on est en pleine consolidation dans cette zone-là, en fait, 1705, 1700. Si ça casse les 1705, les 1700, pardon, tu as déjà les 1695 à regarder dans un premier temps, mais il faudrait que ça soit convaincant parce que sinon ça peut être aussi une fausse cassure, comme tu as eu un peu ici, comme tu as eu un petit peu là. Tu vois, on est même resserré avec les 1705, hein, comme je le disais ici tout à l'heure avec ce test là, ce petit test ici. Donc attention, pour l'instant, ça consolide pas mal quand même sur le gold. Rien à faire pour l'instant pour ma part, et c'est dommage, mais ça veut peut-être souligner un retracement plus profond, donc je vais rester en stand-by. Réaction sur le FTSE 100 aussi, ça respire. Alors, peut-être avoir un retracement plus profond du coup. Moez qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Moez. Monsieur Julien, c'est aussi pour ça que je fais très attention à ces publications-là. Du coup, je fais attention à ne pas prendre des ordres avant, à pas être en position avant, pour éviter un maximum ce genre de choses. Parce que par exemple, même sur contrat futur, hein, tu peux avoir des gros slippage quand tu as ce genre d'amplitude et de rapidité de mouvement, en fait. Donc, tu disais à Julien, du coup, oui, le slippage, tu peux rien y faire. Et malheureusement, ouais. Julien qui nous dit, du coup, enfin, tu peux essayer de l'éviter, on est d'accord, Bobcat, hein, c'est ce qu'on voit avec les LTR aussi, mais on ne peut pas toujours l'éviter. Hein. Moi-même, j'ai été slippé sur certaines positions, des fois en positif, des fois en négatif. Mais ouais, c'est comme ça. Julien qui nous dit du coup, en fait, ça fait partie du risque du trader, c'est un événement à prendre en compte. Oui, c'est ça, Julien. C'est pour ça que, par exemple, le calendrier, quand tu as des gros events comme ça, notamment très souvent, même à 14h30, fais bien attention, parce que du coup, tu peux avoir justement des écarts de spread qui se font, tu peux avoir du slippage qui se fait sur le marché, et du coup, c'est pas avantageux pour le trader. On peut être tenté parce qu'on se dit qu'il y a un gros mouvement, mais il faut mieux attendre un petit peu que tu aies aussi des conditions de trading qui soient fiables et intéressantes, en fait. Et ça, peu importe le broker chez qui tu es. Si ça se fait de manière instantanée, c'est que tu es chez un market maker et là, il y a des soucis aussi au bout d'un moment. Sophia qui disait à Julien, ouais, du coup, si, oui, c'est pour ça que beaucoup ne restent pas en position quand ils savent qu'une news va tomber. Il y a toujours ce risque. Yes. Moez qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi, Moez. Qui nous dit j'ai eu un problème hier et je porte réclamation aussi. Ça marche, Philippe, ça marche. N'hésitez pas à contacter votre chargé de clientèle. Hein. L'admiral s'occupera de ça. Jean qui nous disait bonjour Jérémy, hier j'ai eu un gros bug. J'étais long sur le gold avec un SL suiveur. Il y a eu de gros retournements de la situation à cause du coup. Alors attends, je regarde juste parce que je suis initié sur un trade ici. Je vais voir pour vous le répercuter rapidement si j'ai le temps. Hop, ça fait quoi? Ça fait 29 points de stop. On va mettre 30 si on est un petit peu en retard ici. Voilà, petite opportunité pour l'instant. Un TP idéal sur les 13 182. Alors attends, je reviens, Jean. Du coup, tu nous disais, voilà, sur le gold et le SL suiveur, il y a eu un gros moment de retournement suite à la situation à cause de même. Mon stop était gagnant et quand il y a eu le retournement, le stop n'a pas été déclenché. Ça m'a fait perdre de l'argent alors que j'étais en gain. Heureusement, c'était un compte démo. J'ai peur, du coup, j'ai peur de mettre mon argent. Du coup, bah, c'est du slippage. Hein. Voilà, Bobcat qui disait, c'est du slippage, exactement. C'est du slippage sur des gros événements comme ça. Attention aux positions qui sont en cours. Si vous êtes en mode swing trader, votre stop normalement est beaucoup plus large, donc vous n'avez pas forcément
forcément à vous en inquiéter, mais en mode day trading, intraday scalping, où des positions sont en cours avec des stops qui sont très très proches, attention au slippage, oui, et le slippage qui peut décaler, parce que tu as bien vu la nature du mouvement, c'est pas des mouvements qu'on a tous les jours, ça traduit des conditions tout à fait particulières sur le marché, et plus le mouvement est rapide et directionnel, et plus c'est difficile d'avoir la contrepartie au prix qu'on le souhaite à l'instant où on le souhaite. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le slippage. Manson qui dit ok merci, je t'en prie Manson. Didier qui nous fait plus 68 points sur le DAX, encore un trade en cours et j'arrête. Bravo Didier, ça fait plaisir. C'est très beau score. Alors hop ici, moi je vais voir, je vais peut-être avoir une relance. Hop, non, ça sera un trade en cours, on va voir ce qui se passe. Il me faut vraiment les 182,20 pour le TP. Sinon trade perdant, et j'ai recomptabilisé ça en trade perdant. Ça part même sur une tendance baissière sur le M1 pour l'instant. Ça chatouille le stop à l'heure actuelle. Ça chatouille le stop. Ouais, sortie sur le système. Pas encore sur le graphique temps parce que j'ai répercuté un peu après. Mais du coup, un trade perdant pour moi pour l'instant sur le DAX à la hausse. Ça corrige donc et ça revient plus profondément ici. Ça fait même une baisse hein, pour l'instant sur le Nasdaq M1. Mais pour moi, la tendance M1 est de retour sur le DAX déjà. Allez, je vais m'attendre à des shorts maintenant sur du M1 direction les 13 115. Tival qui faisait bonjour, pareil, tout perdu hier, bug. Aïe, désolé de l'apprendre, Tival. Attention à ce genre d'événement. Ici, c'était une publication 14h30 sur le calendrier. FMR qui faisait combien je mets en jeu en euros lorsque je trade un lot sur le ESD à 1,30. Bah, ça dépend où tu places ton stop, FMR. En fait, idéalement, il faut que sur le graphique, tu aies un niveau de point d'entrée, mais qu'avant de prendre ton trade, tu saches où tu veux sortir en perte, où tu veux sortir en gain d'un point de vue graphique. Moi par exemple ici, tu vois, j'ai souhaité avoir un stop ici pour limiter ma perte. Parce que si je n'ai pas de niveau en termes de prix sur mon graphique pour limiter ma perte, je risque tout d'un coup et je peux gagner la plupart du temps et un jour tout perdre d'un coup. Et du coup c'est pas viable et on ne peut pas poser vraiment notre trading là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend d'où tu vas placer du coup ton niveau de prix pour ton stop loss aussi. Rollover futur se fait automatiquement. Alors, le rollover futur, tu vas passer d'un contrat à un autre, c'est-à-dire que ici, hop, tu vas avoir, pardon, hop, ici, tu vas avoir les nouvelles échéances en fait qui vont être montrées toutes, t'as les futures qui sont là, et tu as différentes échéances. Tu vois, le France 40, c'est le CAC 40, là, tu as expiration septembre 2022, là, expiration octobre 2022. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les volumes en fait et voir lequel des deux contrats est le plus tradé et faire mon switch en fonction de ça, proche de la date d'expiration. Mais moi, je le fais pas sur des futurs CFD, je le fais sur des vrais contrats futurs. Allez, en attente de baisse maintenant. Sophia qui dit ça chatouille le stop. Ah, ouais. Bah hier, j'ai eu un bel exemple de ça. Hein. C'est pareil en séance US, chatouiller mon stop. Donc on est passé à 1 mm du stop et ensuite c'est parti sur le TP1. Et c'est là où on voit qu'on a des stops qui sont bien pensés, bien placés. C'est quand on les effleure et que ça part sur le TP, c'est qu'ils sont pas trop loin, ils sont pas trop proches. Et ça c'est vachement important aussi de bien pouvoir faire ça dans son trading. Julien qui dit du coup fait un coup dur dans mon apprentissage de trader. Ouais, mais il faut mieux que ça se fasse maintenant que plus tard quand tu as plus de capitaux sur ton compte, tu vois, Julien. Ça c'est important aussi parce que c'est des leçons que tu vas retenir. Tu vas savoir qu'il faut faire attention au slippage, que ça peut faire des dégâts, etc. etc. tu vois.
Jess qui nous est salut, je viens d'arriver, dis-moi s'il te plaît quelles sont les devises à suivre aujourd'hui, merci, salut Jess. Alors on suit toujours les mêmes devises hein, ici, mais on va dire les plus intéressantes, bah, là tu es dans une zone du coup, mais c'est milieu de prix, milieu de zone de range, là tu es sur une borne basse, ça réagit sur l'euro JPY, là tu es en plein milieu sur l'euro GBP, pas intéressant pour le coup l'euro GBP. L'USD JPY, alors là il y avait c'était intéressant pour la réintégration, mais maintenant tu es à nouveau dans une zone, attention sur le GBP, et tu repasses aussi franchement, pour l'instant, sur les paires que je vous montre au quotidien, parce que je ne fais pas un screen de toutes les paires Forex, hein, on reste sur les mêmes paires à chaque fois et les mêmes actifs boursiers, il n'y a pas énormément de choses. Je suis juste en train de regarder peut-être pour de la vente ici, pour l'instant non, c'est pas assez convaincant. On est autour des 13 115. Michael qui faisait aucun problème hier perso sur Dow Jones 30, il y avait une belle cassure du coup par le bas à prendre en M1. Top Michael, top top top. Antonio qui nous est DAX achat 28 points SL. Ah ça marche, ça marche. Désolé pour toi Antonio, c'est que le début de séance de toute façon et t'as fait des gros scores hier. Didier qui nous disait ça retrace fort sur le DAX. Ouais. C'est pour ça que je suis même en attente de baisse. Ça range sur le M5, attention, mais sur le M1 pour moi c'est déjà en tendance baissière. Julien qui me disait du coup, ok, mais je suis en contre-réel et j'ai perdu 15 jours de trade gagnant, 25% de mon trade, ça pique. Bah, ouais, attention à ça du coup, Julien, d'autant plus. Hein, la leçon n'en sera que plus retenue, j'ai envie de dire. Mais ouais, faut faire super attention, notamment si tu es sur contre-réel. C'est pour ça que je vous parle à chaque fois au début de séance, on regarde le calendrier économique, je vous dis les news les plus importantes. Le slippage, c'est vraiment important. On ne peut pas avoir un déclenchement de prix à n'importe où. On a besoin, les marchés fonctionnent comme ça, hein. C'est de la liquidité, c'est de la contrepartie. S'il y a personne qui veut prendre le trade opposé à vous avec une partie de votre position ou l'entière partie de votre position, ou s'il y a plusieurs personnes qui font une petite partie à chacun de votre trade ou quoi, si eux ils sont pas là, vous ne pouvez pas sortir du coup au marché, enfin du marché au prix souhaité et vous êtes décalé. Ça, c'est inhérent, que ce soit sur CFD, futur, même sur compte titre, hein. Il y en a qui se retrouvent coincés sur des actions qui sont tellement peu liquides que personne ne veut prendre la contrepartie, personne ne veut vendre quand eux ils veulent acheter ou personne ne veut acheter quand eux ils veulent vendre et ils se retrouvent bloqués à pas pouvoir sortir de position. Donc pour ceux qui sont par exemple sur les actions qui coûtent vraiment très très peu et qui a, ou sur lesquelles il y a vraiment très très peu de liquidité, c'est un des soucis aussi à prendre en compte et qu'il ne faut pas oublier. Petit retracement trop timide pour moi, ça continue de descendre sous les 13 115 points. Dommage, dommage ici pour l'instant, mais la journée et la séance ne fait que démarrer. Et pour Sécoteur, tu nous disais en M15, j'ai une englobante qui devrait se dessiner, confirmer la clôture sur le DAX. Ça marche, merci pour l'info. Zoubou qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Zoubou aussi. Jess qui nous dit merci, salut. Je t'en prie, Jess, pardon. Cédric qui nous dit calcule le taille de lot aussi pour sécuriser ton capital. Le money management est la clé. C'est clair, moi par exemple, je vais pas risquer plus de du coup 1% de mon capital sur les trades que je prends ici sur le compte réel du coup CFD que j'ai. Et le backtest qui me donne aussi une idée des drawdowns que je peux avoir. Comme ça, j'ai une bonne compréhension du système, de son comportement dans le temps et toutes ces choses-là, c'est très très important. Si vous n'avez pas fait de backtest de votre stratégie, faites-le parce que vous obtiendrez des. Il faut le faire de la bonne manière. Il y a plein de pièges à éviter quand même, mais il faut le faire de la bonne manière. Et du coup, à partir de là, vous aurez une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec votre méthode à l'avenir aussi. Hein. Les résultats passés ne sont pas garant des résultats futurs, mais il donne une bonne idée de ce à quoi on peut s'attendre. Ouais, tentative de cassure sur le gold, t'as raison Cédric. Pardon Manso, on va voir si ça peut percer. Ouais, breakout en cours, un petit peu ici du creux précédent. Ah, j'ai pas vu, dommage sur GBPUSD, il y a un petit peu de baisse à prendre ici pour revenir vers le bas. Retard. Ah, c'est déjà en train de se développer. Peut-être avoir du trading de range moi sur le M1 si ça continue.
114 likes, 114, on est 140, pardon, et on a 74 likes. Il est 9h25, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tout le monde, n'hésitez pas à liker et partager. Ça fait vivre la chaîne YouTube, ça nous permet d'être live toujours de 8h30 à 10h ensemble et de partager beaucoup en trading aussi. De faire ces webinaires une semaine sur deux également. Le webinaire Swing Trading à la fin du mois, c'est pour tous les clients Admiral sur Contrail. Dites-moi si vous voulez le lien pour vous y inscrire. On regarde beaucoup de choses, notamment côté Forex, sur de grosses unités de temps pour les grosses tendances et les gros scénarios à venir pour le mois prochain. Denis qui nous dit bonjour, 76 likes, ça fait plaisir, merci beaucoup. On passe direct à 83, on est proche de la centaine. Didier qui nous dit du coup, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter Ursula von der Leyen à l'UE. Aucune idée Didier, aucune idée. Tu sais que je suis technique, hein, du coup, je vais pas me fier à ça. Peut-être avoir un trade en range ici. Ça continue. Agent qui nous dit du coup, j'ai vu, pour éviter le slippage, il faut mettre un SL et un TP. Alors, je sais pas où tu as vu ça, mais ça suffit pas, hein, clairement. Pour éviter le slippage, il faut prendre en compte justement les publications économiques très importantes. Bien sûr, il faut prendre aussi, faut mettre en place toujours, de toute façon, pour que tu souhaites éviter ou pas le slippage. Personnellement, je suis partisan de toujours mettre des stops et des TP. Alors après, tu peux avoir des TP partiels, tu peux sortir en manuel si tu utilises le mini terminal sur les sorties partielles, etc. Moi, j'ai des sorties partielles automatiques sur mon système, mais... Déjà, peu importe, tu vois, slippage, pas slippage, je suis partisan de ça parce qu'il te faut pouvoir gérer le risque. Et du coup, quand on ne place pas un stop loss, il y en a qui disent qu'ils aiment bien, par exemple, trader sans stop loss. Bon, il y en a qui font le buzz aussi avec ça, mais trader sans stop loss, il faut au moins un stop loss mental. Et tout le monde n'est pas capable de sortir, si vous voulez, de la position en perte manuellement. Et c'est pour ça que le stop loss du coup caché ou le stop loss au marché est intéressant et important pour le trader parce que ça l'oblige à respecter aussi la gestion du risque qu'il a. Donc ça c'est super important. Mais tu vois ce que je veux dire, Julien, c'est pas spécialement, agent, c'est pas spécialement pour éviter le slippage. Du coup, il faut vraiment tout le temps, pour moi, avoir cette notion de risque. Pour moi, un trader, avant tout, c'est un gestionnaire de risque. C'est pour ça que quand je vous dis le mouvement est très agressif ici, c'est-à-dire que sur le long terme, il n'est pas rémunérateur à le prendre toujours comme ça. Etc, etc. C'est une gestion du risque avant tout. C'est bizarre que le stop ne soit pas déclenché d'une deuxième agent. Il a en fait été déclenché, mais décalé. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de slippage, parce que tu es sorti plus bas, enfin en tout cas plus loin que le prix que tu voulais, mais tu es sorti. Donc il a été déclenché, mais le temps du coup que la contrepartie se trouve sur le marché, le prix était déjà plus bas ou plus haut suite au mouvement exceptionnel qu'on a eu hier dû à la publication. Tu vois ce que je veux dire, agent ? Julien qui disait, de toute façon, j'ai du mal avec les annonces économiques, même si elles sont à risque, on ne peut... On ne sait pas comment ça va réellement influencer les prix et de quelle force. Ben, c'est, on va dire que le trading autour des news, du coup, c'est un peu plus quand on a de l'expérience sur les marchés. Moi, je vous fais, vous avez tous les replays hein, des FOMC, de quelques BCE aussi avec les taux publiés, etc. Du NFP, tous les premiers vendredis de chaque mois. Je vous fais cette séance-là et je vous montre comment, du coup, moi, avec mon expérience, je réagis à ces publications. Et vous ne me voyez jamais prendre un trade avant la publication ou sur le moment de la publication. C'est toujours un petit peu après et avec mon système LTR, ben, j'ai plus de probabilité d'attraper de belles choses bah parce que c'est ma technique, c'est mon système, c'est ma méthode. Jess qui nous est du coup question, tu traites combien d'heures par jour à peu près s'il te plaît pour me faire une idée pour moi. À l'heure actuelle, depuis du coup cette rentrée du mois de septembre, j'ai démarré un nouveau compte réel sur Futur que je traite d'ailleurs un petit peu le matin ici en même temps. Et en fait, si tu veux, je vais faire 1h30 le matin et je vais faire 2h l'après-midi. Donc je tourne à 3h30 de trading par jour et 5 jours par semaine. Donc ça c'est pour le compte CFD du coup. Julien qui nous disait, je pense simplement sortie de position à l'avenir et reprendre un trade juste après. Alors teste si ça fonctionne pour toi, mais c'est pas toujours pour le coup une des opportunités bonnes qui se trouvent derrière aussi, tu vois. Le DAX qui ne fait plus rien, je suis en stand-by pour l'instant. Plutôt pour des setups de trading en range qu'autre chose, donc on va voir si ça peut se faire ou pas.
Je reviens sur le chat dans un instant, j'attends juste de voir ce qui se passe ici autour des 115. Alors, ça va se décider maintenant. Si jamais on revient sur les 114, on aura peut-être un petit peu de baisse. Scénario annulé du coup. Partirait même sur une tendance haussière au-dessus des 115 pour le coup. Hop. Le gold qui a vraiment du mal avec les 1700 pour l'instant. On est en réintégration de zone sur le GBPSD, plus grand chose à faire. Voilà. Je vais attendre maintenant pour de la hausse hein, sur le DAX. Pour l'instant, plus réactif forcément sur le M1 que sur le M5 qui range toujours pour moi le M5. Agent qui faisait d'accord, USDCAD en H4 s'il te plaît. Alors USDCAD, tac, en H4 ici. En train de tenter la cassure, c'est comme sur le graphique horaire hein, D1.31. Du coup ici 75, direction à résistance, attention des 1.32, testé plusieurs fois dans le passé et maintenu à chaque fois pour l'instant. Trading expert qui faisait salut, bienvenue à toi. Qui a bien rejeté sa résistance, qui travaille maintenant le prix intermédiaire ici des 7325. Je suis plutôt favori sur la hausse maintenant à nouveau sur le DAX, même si le premier trade n'est pas passé, les conditions sont de retour plutôt pour une hausse. Elias qui nous dit une fois mon TP s'est fait exploser par la news et du coup j'ai encaissé un peu plus que prévu, ça marche dans les deux sens. Ouais, c'est ça, hein, c'est slippage négatif, positif. C'est vrai que la plupart du temps, on pense au négatif et je pense qu'en termes de, il y a plus de probabilité peut-être que ce soit négatif et encore ça dépend de la nature du signal, du mouvement, etc. Mais si pêche positif, j'en ai eu aussi, hein, j'en ai eu aussi récemment justement. Didi qui dit Jess, si ça dépend de tes objectifs, de ta capacité à trader. Et Jess qui me disait du coup quelle source utiliser pour les infos. Bah, t'as le site que je vous montre, hein, c'est le site Admiral, hein, le site ici, tu vois. Avec le calendrier par exemple, où hier on avait vu qu'il y avait les trois points rouges pour à 14h30, comme un peu aujourd'hui pour le PPI, mais c'était pour du coup ce qui concernait les taux d'inflation en fait. L'indice IPC. Maëlle qui nous disait, alors ça m'est arrivé hier, un TP1 a été refusé et le temps que je refasse le marché avait perdu 10 points. Yes. Ah, dans des conditions de marché particulières comme ça arrive, hein, donc il faut être prudent, il faut être prudent, faire attention. Le DAX est de retour du coup au chaud dans son range M5. Ouais, il est encore dans son range, hein. C'est clair, il a du mal à en sortir. Manso qui nous disait au NZD, un pote vient d'entrer en sell. Alors attention à pas donner des signaux de manière directe ou indirecte à Manso. J'enlève juste ton message. Mais si tu veux qu'on aille voir le NZD, tu peux me demander, il n'y a pas de souci. Hein. Tu nous dis, t'en penses quoi? Au NZD, on va aller voir ça.
Tout dépend de l'horizon de temps attendu, etc. Hein, c'est toujours pareil. Hop, cacher tout, Hot NZD. Parce que sur différentes unités de temps, tu auras toujours différents, du coup, différentes raisons, soit pour acheter le marché, soit pour vendre le marché. Moi, je vais te faire du général ici. Hein, on est sur du load NZD daily, donc en journalier. On est en train de tester le sommet précédent. Donc ici, c'est une tendance haussière qui est en train de tester une zone résistance. Donc, trader la vente de cette résistance, c'est de la contre-tendance, donc c'est plus risqué pour moi. Et ici, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on va rajouter un petit peu tout ça. Hop. On est sur des tests de support, hein. Encore sur les tests de dernier support en graphique horaire. Donc, tant que le support n'est pas cassé, ça peut tenir justement. Un peu comme je dis à chaque fois, jusqu'à preuve du contraire. Allez, toujours pas de petite raison ici d'acheter. Je vais rester patient et suivre les règles systématiques qui nous permettent d'être vraiment sur des rails. Hein. On n'en va pas choisir, on va pas se dire tiens, ça sent bon, ça sent mauvais. C'est là ou c'est pas là. Vente et achat, DAX 53 points TP. Bravo Antonio, ça fait plaisir. Bobcat qui dit du coup c'est l'appât du gain du coup du après publi où on se dit qu'on pouvait voilà prendre 200 points. Le jeu veut toujours plus, mais qui mène à notre période. Exactement, bien dit Bobcat, hein, c'est tout à fait ça. Jean-Luc qui dit DAX M1 divergence RSI. Ah, divergence sur les deux derniers creux peut-être sur le M1. Ah, le petit rebond qui se fait, mais pas suffisant pour moi. Ça risque de re-ranger, attention si on n'arrive pas à du coup vraiment poursuivre là aussi. Hein. Ces derniers temps, les marchés américains qui sont nettement plus généreux, je trouve. À mon avis, du coup, ton pote a tort au moins qu'il fasse du swing trading, disait Michael. Un de ceux qui disait oui. Jess qui dit à Didier, je suis débutant, je cherche des repères. Didier qui disait achat DAX TP1, ok, break even, stop sueur. Ça marche, Didier, bien joué ici. Et sécurisation, la position, c'est important aussi. Antonio qui disait DAX plus 28 points TP, bravo Antonio. Et merci à vous autres, nous disait Jess, je t'en prie. Merci à toi aussi, tu disais. Bobcat, du coup, tu nous disais Antonio, tu utilises un IA. Didier qui nous disait shoot SL, DAX trop serré à 15 points. Aïe. Ah, plus le stop est proche, hein, plus il est atteint. Ça, c'est probabilité mathématique. Donc, faire attention. Mais du coup, c'est vrai que de l'autre côté, ça découle sur le ratio pour les TP atteints. Donc, c'est là où il faut trouver du coup, un peu la bonne combinaison pour notre trading. C'est pour ça que par exemple je fais énormément fonction de la volatilité avec le système LTR qui me permet de jouer là-dessus avec les tailles directement. C'est un graphique vivant en fait. Et ça me rassure énormément dans le process et dans le travail de ma psychologie aussi pour tenir. Malgré qu'il y ait, bah, comme dans n'importe quelle stratégie, il y aura toujours des trades perdants d'affilée, il y aura toujours des trades gagnants d'affilée pour vivre son trading de la meilleure manière possible. Didier qui disait exact Bob, du coup je dois en sortir lol. Alors ici, nouvelle opportunité. Par contre du coup je vais pas, si j'ai le temps de le mettre en place ici ou de vous le répercuter. Ah, par contre j'ai eu un slippage sur le point d'entrée aussi hein, du coup. Aïe aïe aïe. Allez, on va voir pour un petit peu de hausse ici. Il faudrait les 137 pour TP1.
Alors, on va voir ce que ça donne ici, si on a un peu de rebond ou pas, et si c'est défendu, notamment autour des 13 115. Allez, retour sur le point d'entrée. Voilà, TP atteint ici. Hop, je vais sortir aussi à 8 points sur un petit trade à 8 points sur le DAX pour l'instant. Tout sorti sur le TP1. Mais slippé sur l'entrée aussi, du coup ça fait un gain de plus petit que prévu. Donc au lieu d'être à moins 0,5, je suis un tout petit peu au-dessus, au lieu d'être à moins 25 euros, je suis à moins 30 euros pour l'instant sur la séance. Antonio qui disait du coup, Bob, non, j'utilise une EMM que j'ai moi-même améliorée. Bobcat qui nous est du coup, ah ok, souvent sur un mouvement de 50 points par exemple, tu prends 45 points. Je me demandais comment tu pouvais prendre les deux extrémités, un vrai robot là. Didier qui disait du coup, faut lui arracher le micro à Ursula, Von machin, pour que ça remonte. C'est vrai que pour l'instant, on aurait peut-être un début de tendance baissière M5 même. Et moi j'ai même le M1 qui est passé en tendance baissière, mais j'ai mon petit trading de range qui a fonctionné pour le TP1. D'ailleurs, faut que j'aille comptabiliser ça. Hop. Regarde la montre, il est déjà 9h42. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va faire un petit récap ou un petit point marché vers 50-55. Pour l'instant, un trade perdant, un trade gagnant sur le DAX pour ma part. Tout reste à faire, hein. Je vais trader du coup cette matinée du DAX jusqu'à 10h30 comme d'habitude. 99 likes, ça fait plaisir. On est quasiment sur la centaine, 133 participants. J'espère que la matinée se passe bien pour tout le monde. Très hésitant et très joueur hein, autour des 13 115 pour l'instant. Rien de vraiment intéressant, je trouve, sur le FTSE 100 qui a rejeté sa résistance, qui revient mais qui réintègre le prix. Le CAC 40 qui se cherche beaucoup ici aussi. Vous voyez, c'est pas le jour de matinée, on a des belles vagues avec des stops sueurs qui courent du coup directement. Donc attention dans ce jour de matinée là aussi. Antonio qui dit du coup, elle est programmée sur le prix direct. Antoine qui dit bonjour à tous, allez le 100e like, merci beaucoup Antoine, ça fait plaisir, on est même à 102 likes, merci beaucoup. Allez, ça veut peut-être rechercher ici les sommets précédents, mais pour l'instant, c'est toujours pas orienté sur la hausse, hein, pour ma part. Pas sur le M5 et le M1 en tout cas. On va regarder un petit peu ce que fait le Brent. Il se maintient toujours et encore sur sa zone ici des 1700, zone support, borne basse de zone de range, attention. Du côté du pétrole, on essaye de repartir à la baisse, on teste les 93. Du côté de l'euro-dollar, on se maintient hein, vis-à-vis des 99,75.
Il n'y a pas énormément de choses intéressantes pour l'instant ici. On est dans la zone prix, mais prix un peu médian, hein, USDJPY par rapport à zone de range 143,50, 143,25. Attention, on reteste un petit peu l'USDCAD, ça respire, tiens. Ouais, pas grand chose. Hein. Regardez l'EURJPY, qu'est-ce qui se passe ici? Travaille beaucoup la zone. Peut y avoir du rebond ici pour une quinzaine de pips, mais c'est déjà un peu élancé. Ça va peut-être se décider dans la dernière demi-heure ici. Alors on a encore un petit peu de temps, il est 46. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. MFR Tunisie, tu n'aimes pas Ichimoku. Je t'avoue pas particulièrement, non. C'est une partie déjà qui est décalée sur la partie droite du graphique, ce qui facilite pas le backtest. Bon, après, si tu fais un backtest automatique, c'est différent. Mais si tu veux, je trouve que ça surcharge énormément les graphiques. Moi, je suis vraiment dans la simplicité et dans directement l'interprétation du prix plutôt que de passer par des indicateurs techniques pour connaître la tendance, pour trouver des signaux de trading, tu vois. Didier qui nous dit qu'il faudrait récupérer la baisse d'hier dans la semaine. Ah, ça serait bien, ça serait bien. Rudy qui nous dit deux trades perdants, la journée elle n'est pas encore finie. Exactement, exactement. Moi par exemple hier j'ai fini en positif alors que sur le DAX le matin j'étais en légère perte de 30 euros, je crois, 35 euros. J'ai fini en tout sur la journée avec 72 euros, donc... Principal, c'est d'avancer jour après jour et de faire croître le capital aussi avec une bonne gestion du risque, une bonne manière de vivre votre trading, pas transpirer à chaque trade et comme ça vous tiendrez le plan bien plus longtemps, tout le temps même, et comme ça ensuite faire travailler les intérêts composés, quoi. J'aimerais bien que tu nous aies, Sophia, que ça remonte assez pour que je puisse shorter le GBP USD. Le GBP, je pense que tu parles du GBP USD en l'occurrence. Hein. Attends, le GBP il est là, hop. Autour de la borne haute, ouais. Après, ce serait du trading de range. Donc, si tu as ce genre de choses comment dire, dans tes méthodes de trading, dans ta stratégie de trading, ouais, tu peux faire ce genre de choses. Après, le trading de range, c'est pas le trading le plus simple, je trouve. Trading de tendance qui est le plus simple, mais il faut savoir bien identifier la tendance aussi, car le marché range plus souvent. Donc, c'est pour ça que dans une deuxième étape, le trading de range peut être intéressant. Moi, par exemple, ce matin, j'ai pris le trade de trading de range ici, hein. Après un trade de retracement qui n'a pas donné, j'ai pris le trade de range up ici qui a donné son TP autour de la borne haute par exemple, borne basse pour borne haute, des choses très simples. Et du coup, ça vient compléter les choses aussi. Mais c'est vrai que quand on démarre, très souvent, enfin en tout cas moi ce que je dis, c'est que le plus simple, le plus rapide pour mettre une base dans votre trading, c'est de démarrer avec du trading de tendance. Trading Expert qui disait bonjour, je veux vous contacter sur WhatsApp. Alors pas d'échange de numéro WhatsApp ici hein, dans ces lives ici, Trading Expert. Si tu veux me contacter, tu peux passer par l'adresse mail france@admiralmarkets.com, deuxième ligne du descriptif de la vidéo. Tu fais une demande d'outils LTR et demande d'information des outils LTR et ils te renverront sur mon site en fait où tu pourras échanger avec moi directement. Sophia qui disait tu imagines bien qu'il ne donne pas son WhatsApp, sinon on serait toute la journée à le harceler de questions. Bon, je pense pas être si populaire que ça quand même. Alain qui nous disait, est-ce que le stop ne doit pas toujours être placé au niveau à un niveau technique plutôt qu'à un nombre de points fixes? Alors si tu veux être dynamique, ouais, tu peux faire fonction de la structure. J'ai fait un article stop loss il y a longtemps. Attendez, hop. Je vais aller vous chercher ça. Ah oui, il a été retravaillé par mon collègue ici, Florent Dubray. Donc c'est normal, vous verrez son nom en haut. Mais du coup, vous avez pas mal d'informations déjà sur le stop. Et du coup, j'avais fait une vidéo aussi sur le stop loss. Je vous partage l'article ici. Je regarde sur la chaîne YouTube s'il y a la vidéo aussi. Mais normalement, oui, alors il y a une vieille vidéo sur stop loss, je me rappelle. Mais j'ai fait un webinaire récemment aussi. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as même donc les astuces du stop loss en trading et les stop suiveurs intelligents. Donc je te partage ça, comme ça tu auras les deux ici, tu pourras regarder. Assez intéressant, je trouve. Top 4 utilisé du coup en range, Didier. Du coup, il en est où ton Renko M5 s'il te plaît? Ouais, en range, exact, top 4. Trading Expert qui disait, je veux partager des applications avec vous.
Alors contacte-moi directement via mon site, hein, en passant par Admiral, on pourra parler de ça si tu veux Trading Expert. Dis-moi Alain, du coup, hein, si ça t'apporte des éléments de réponse quand tu regarderas ces vidéos et cet article. Alain qui nous disait « Bonjour, ça fait un moment que je te suis car j'aime bien ta façon de trader. » Merci beaucoup Alain, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Tu nous disais « Ça va. » Je vous laisse. Bonne journée pour Boursicoteur. Ça marche, très bonne journée Boursicoteur à toi aussi. Didier qui disait « Ok. » Ciao Boursicoteur. Nibom qui nous disait « Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Je like, bon trade à tous. » Merci beaucoup Nibom, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. 108 likes, merci beaucoup à tout le monde. Ceux qui prennent le temps de liker, plutôt favori sur la hausse, mais pour l'instant le marché qui ne donne pas d'opportunité, ça range sur le M5, c'est en tendance baissière sur le M1. Du coup voilà, trade perdant, trade gagnant, c'est le début de la journée, un peu comme hier d'ailleurs. On verra aussi bien sûr ce que donne du coup la matinée jusqu'à 10h30 pour ma part, et notamment ici l'après-midi comme d'habitude. Allez les pouces, merci Didier, ça fait plaisir. Alain qui disait merci, Alain pardon, qui disait merci beaucoup, je t'en prie Alain. N'hésitez pas s'il y a des questions. Alors, on va faire le récap dans 4 minutes. D'ici là. Pour l'instant, en tout cas, pas de nouvelles opportunités. On verra dans la dernière demi-heure de ma séance du matin qu'est-ce qui se passe. Hier, c'est là où j'ai eu d'ailleurs le trade gagnant. Donc on verra ça. On verra ça. Beaucoup d'hésitation sur le DAX, peu de mouvement directionnel depuis un moment. Et beaucoup de travaux autour des 13 115 au final. Donc la réintégration ce matin qui était agressive porte ses fruits pour l'instant jusqu'à la borne haute et même ses sommets précédents sur GBPUSD. Milieu du range du DAX, tu parles des 13 125. Oui, on pourrait voir les 125, les 130, mais si moi j'ai vraiment laissé en fonction de l'étude ici, hein, du support par là, tu vois, du soutien qui est là, la réaction qui s'est. En fait, on l'avait identifié avant, bien sûr, mais du coup ce matin ça s'est vérifié ici, là et là. Donc après, c'est une prime médian ici aussi, ouais, autour des même toute cette zone, hein, toute cette zone qui est piégeuse. Donc attention. Et si on continue de casser un petit peu par le haut, je partirai directement sur une tendance haussière, sur le M5. Il faut que ça casse encore un peu, que ça monte encore un peu. Allez, ça va justement monter, ça va peut-être pouvoir initier une nouvelle tendance haussière, direction des tests des sommets précédents et au-dessus de ça, là, du coup, ces sommets qui sont autour des 190, on a le point pivot du jour placé sur les 240 directement derrière. Donc attention déjà aux 13 200 quelque part, bien sûr, qui sont pas loin de cette zone sommet précédente et fait bien sûr office de résistance. Anne qui nous dit merci pour la live, avec plaisir Anne. Allez, tendance haussière de retour sur le M5. Anne qui nous dit, je cherche des réponses partout sur les sites, mais du coup, n'ont pas l'air correctes à propos du levier. S'il te plaît, j'aurais quelques questions. Alors dis-moi Alan, dis-moi. Didier qui dit toujours un trade en cours à l'achat, je ne suis pas dans le bon sens, on dirait pour le moment. Si, bah peut-être, hein, ça repart à la hausse ici. Ça repart à la hausse. Bobcat qui nous a dit du coup range baissier Didier, mais ça semble pousser, ouais. Donc renouvellement d'une tendance haussière possible désormais sur le M5 pour moi, pas pour le M1 encore, pas pour le M1. Il y a d'ailleurs un setup ici de la formation gratuite pour débutants que j'ai faite pour du coup la LTR ici, avec ce rebond sur l'AML qui offre une, deux, trois bougies. Du coup, selon le backtest, alors faut qu'on l'actualise depuis un moment, on l'a pas fait, mais 25 points ici, et du coup, atteint 70% du temps, ce genre de choses.
C'est une stratégie pour débutants, donc il y a juste un stop et un TP unique. Mais du coup, c'est un bon moyen aussi de démarrer. Moi, je vais voir pour actualiser aussi tout ça et rajouter avec les règles de formation complète, voir si on peut encore un peu plus exploiter, pourquoi pas, ces graphiques supérieurs. Taille plus grande, certes, mais du coup, alors moins de setup, certes, mais si du coup, on peut continuer de garder dans du 70, voire plus. Parce qu'avec la méthode complète, on a plus de 70% de trade gagnant, donc ça pourrait être sympa aussi pour le M15. Bobcat qui nous... Alors pardon, j'ai lu Hacha qui nous disait salut, ah, gros retard pour moi, bienvenue à toi Hacha, j'espère que tu vas bien. Et Rudy qui disait pareil, Didier, je suis à l'achat. Donc ça commence à se confirmer hein, pour vos achats aussi, puisqu'on repart sur une tendance haussière M5 pour ma part. Donc ça pourrait vous aider à peut-être rechercher hein, idéalement les 190, peut-être les 200. Tonio qui dit du coup, pour le moment, du coup l'indécision est toujours d'actualité. Sur le M1, ouais, je suis d'accord. Pour le M5, ça repart sur de la hausse probable. Je blague, ça va grimper, toucher mon TP à 30 points, disait Didier. Je te le souhaite, je te le souhaite. À chaque idée, du coup, bon, est-ce que ça va faire comme hier? Ah, petite hausse le matin et grosse baffe l'après-midi. Attention aux chiffres inflation. Et yes, bah, hier c'était particulier, hein, c'était vraiment une sacrée réaction à la publication. Michael qui disait du coup l'action Orpea décroche encore plus après le scandale de janvier. Beaucoup pensaient faire une bonne affaire en achetant à 40 euros. Aujourd'hui elle est à 14 et non plus les yeux. Ils n'ont plus que les yeux pour pleurer. Ouch, ça fait mal. Oui, il faut jamais acheter un couteau qui tombe. Yes, bien dit. Comment dire? C'est pas un slogan, mais je cherche le mot de ce que tu disais là, du coup, Michael, c'est toujours aussi vrai. Hein. Donc, c'est ce genre de vérité générale que j'exploite aussi dans mon trading. Sophia qui nous disait, ah bah pareil, du coup, pour les cryptos, ouais, quelque part. Hein. Alan qui nous disait, je suis à la recherche de l'appli qui pourrait me permettre de choisir mon effet de levier. Alors, du coup, ici, si tu veux, je peux te partager déjà la. Ici, regarde, hop, dans Trading en ligne, tu as un calculateur trading. Et là, tu peux calculer tes tailles de position en fonction de ton effet de levier. Et du coup, ça peut te donner l'idée, enfin, ça peut te donner peut-être les éléments de réponse que tu cherches. Parce que là, ça va te donner les détails en fonction de ton effet de levier, notamment au niveau de la marge. Et ça va jouer beaucoup aussi. Donc, je t'invite à regarder ça. Tu peux le faire en fonction de MT4, 0, alors trade MT4 ou 0 MT4. Ça sera pareil sur Admiral MT5. Et du coup, je te partage le lien. Regarde ça, dis-moi ce que tu en penses aussi, si ça t'aide à trouver les éléments de réponse que tu as besoin. Éphémère qui nous dit du coup métaphore. Ouais, non, même pas, c'est un dicton, voilà. C'est le mot dicton que je cherchais. C'est le genre de dicton qui sont bah, toujours vrais, hein, peu importe l'époque dans laquelle on évolue. Alain qui nous dit du coup, car apparemment, on nous a mis une limite dans notre pays. Oui, bah oui, selon les pays et les régulations sur lesquelles tu te trouves, il y a des limites. Philippe qui disait pouce, ok pour moi, bonne journée, merci beaucoup. 115 encore, 10 likes et on est sur les 125 TP2, ça serait top. Didier qui nous est Michael. Alors j'ai une action qui m'a fait ça, j'ai gardé du coup depuis 18 mois 4 000 euros de bloqué. Ah, je te souhaite que ça rebondisse aussi, hein, Didier, là-dessus. Ça respire un petit peu ici. Ah, il est 50. On va faire le petit point rapidement. Michael qui faisait du coup un autre beau slogan anglais en finance. When the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, it's time to go. En gros, acheter la panique et vendre l'euphorie. Yes, joli aussi. Joli. Éphémère qui disait Alan, tu es limité à 1% en tant que particulier sur Admiral. Un adage. Oui, aussi, on aurait pu dire un adage. Hein. Aïe, Didi, disait Michael. Et Laurent qui disait merci LTR et revenu. Bonne journée à tous. Parfait, Laurent. Parfait, parfait. Désolé s'il y a eu une mauvaise compréhension. Très très bonne journée aussi à toi du coup. Luc qui nous est merci Jérémy pour cette séance. Bonne journée, merci à toi aussi Luc. Petit point récap rapide ici. Du coup le DAX qui break hein, pour l'instant au-dessus des 13 115 et qui se maintient. J'ai une relance de la tendance haussière possible sur le M5, donc je vais voir si j'ai des opportunités de hausse d'ici 10h30. Et puis pour l'instant du coup ouais, ça on va voir ça, je vais actualiser ça au fur et à mesure. Du coup, voilà, donc on est sorti de cette zone de range pour l'instant par le haut. On est donc plutôt dans un scénario haussier favori. Voilà, ça va peut-être respirer. Ça serait intéressant de voir s'il y a un peu de respiration pour mieux repartir. Sinon, attention, bien sûr, hein, sous le seuil résistance 13 115, réintégration. Du côté du CAC 40, le graphique horaire, lui, va nous montrer toujours la réaction depuis les 6 187. On n'a pas été capable de chercher le dernier creux. La zone point pivot est notamment 6 250. Donc, ça serait bien au moins qu'on y aille. Et là, on verra les réactions des acteurs, soit pour plus de ventes, soit pour plus d'achats. Bien sûr, du côté du FTSE 100, on a réagi à la résistance ce matin et on se maintient en fait dans le trading de range. Donc,
rien de changé en fait hein, pour l'instant sur le FTSE 100. Attention, trading de range aussi, mais en petite sortie timide sur le S&P pour l'instant. Le Nasdaq aussi limite, mais limité, j'ai même envie de dire. Le Dow qui n'a pas encore confirmé quoi que ce soit en termes de sortie, ce n'est que des mèches au-dessus de la résistance 31 200. Du côté du gold, ça continue de ranger aussi. Je vous le laisse en 15 minutes ici. Ça va ranger entre les 1700 et 1705. Du côté du Brent, on essaye, mais on a du mal face au 93 de continuer la sortie de la zone de range idéalement pour tester déjà la zone support S1 et le creux précédent avec les 92. Alors je regarde juste ici, dans toujours rien à faire sur le DAX, hop. Et du côté Forex, on va avoir l'euro dollar qui travaille beaucoup le prix médian de la zone de range autour des 99,75. Le GBPESD qui a réintégré en fait sa zone de range pour tester le prix et le sommet précédent aux abords de la résistance des 1,15,37,50. Donc attention, trading de range dans la zone ici aussi. Et puis bon, sinon du Bitcoin qui travaille toujours les 20 250. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que la matinée a été bonne pour tout le monde. Moi, je vais continuer encore un petit peu ici, une demi-heure, voir ce qu'il en est. Et du coup, je me préparerai aussi pour la séance de l'après-midi. J'espère que votre journée va bien se dérouler aussi. Très bon trading à tout le monde. Excellente journée à tous. Merci d'avoir été des nôtres ce matin aussi, bien sûr. Alan qui nous disait ah ouais. Et Luc qui nous disait voilà, merci, bonne journée. Oui, je l'avais lu, pardon, lui. Très bonne journée à toi aussi. Didier qui nous disait du coup ah oui, c'est 10h. Bonne journée tout le monde. Plus 78 points ce matin. Du coup, j'en attends 30 de plus un peu plus tard. Wait and see. Ça marche. Bien joué, Didier, pour ton score. Bravo et félicitations. Et je te souhaite que ça continue. Antonio qui nous dit je prends mes gains et je vous souhaite du coup une bonne journée à tous et bon trade. Merci Antonio, ça fait plaisir. Très très bonne journée à toi aussi. FMR qui disait du coup, peux-tu montrer comment supprimer une alerte de prix? Alors, en fait, quand tu as une alerte de prix, mais là avec les colonnes, ça va pas se voir très bien. Tu vas sur la petite flèche que tu as au niveau du prix, tu fais clic droit supprimer en fait, tout simplement. Manson qui disait à plus, merci à toi aussi, très bonne journée. Didier qui nous dit à demain, Jérémy, avec plaisir, Didier. Sophia qui disait merci pour tout, Jérémy, bonne journée à tous, avec grand plaisir, Sophia. Très bonne journée à toi aussi. 118 likes, on n'est pas très loin. Didier qui nous dit clic droit dessus, voilà exactement. Steve qui nous dit bonne journée à toi aussi. Steve Simplicity également. Et Xavier qui dit aussi, hein, bien sûr, merci à toi aussi. Rudy qui dit excellente journée à tous. Du coup, trade achat en attente, ça marche. Je te souhaite que ça fonctionne. On repart sur une tendance haussière sur le M1 aussi. Retracement M5 qui n'a pas suffi pour moi. Alan qui nous disait. Mais dis-moi, éphémère, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir d'autres effets de levier plus gros. Renseigne-toi avec Admiral. Admiral est présent en fait à travers la planète. Donc selon les régulations chez qui tu vas, tu peux avoir d'autres éléments pour ton effet de levier. Donc n'hésite pas à contacter l'équipe commerciale pour demander. Nazer qui dit bonne journée à toi aussi, Nazer. Tu es notre soleil, nous disait Françoise. Un grand merci, ça fait vraiment plaisir. Clairement, Françoise, merci à toi. Une très très bonne journée également. Donc je vous dis à tout le monde, bien sûr, on se retrouve demain matin 8h30, 10h pour continuer. D'ici là, excellent trading, très très bonne journée à tous et à demain.